difficile parce que maintenant, je crois que seulement la couche de dessus va être dégelée, donc ça va être très, très glissant parce que le dessous va encore être gelé et dur. Et à cause de ça, ça va devenir donc un circuit très, très technique. Et je crois que normalement, le coureur belge Svennes, il doit être très bien là-dessus parce que c'est quand même un des coureurs les plus techniques. Et donc on voit la liste des engagés, le 1 pour Richard Runendal, vainqueur à Sint-Michiels-Gestel l'année dernière, Wim De Vos et Gerben De Knecht, les deux Hollandais qu'on devrait voir. Et puis alors, surtout les favoris, ce sont les Belges, Nijs, Wellens, De Klerk, mais également Verwecken et Tom Van Noppen, un candidat un peu plus jeune qui pourrait peut-être surprendre. Ne pas oublier Daniele Pontoni, le 17, champion d'Italie, et également du côté de la République tchèque, Peter Blask, un jeune, le numéro 32, Dossard 32, un jeune dont on dit le plus grand bien et qui a déjà montré cette année en Coupe du Monde avec 4 podiums qu'il était capable de briller. En plus, qui plus est, Blask va jouer à domicile, comme on dit, il connaît le parcours de Tabor. Tabor qui a été une des manches de la Coupe du Monde et qui avait vu à l'époque la victoire de Bart Wellens devant Grunendal, De Klerk qui était 3ème, Verwecken 4ème et Nijs 5ème. Si on continue jusqu'au 7ème, on voit que Pontoni était 6ème et Blask 7ème. On ne s'est pas trompé dans les 7 favoris. Hein. Non, pas du tout, mais maintenant les conditions ont changé, donc le parcours est très différent. Et l'équipe tchèque, ils se sont entraînés sur ce parcours-là longtemps et beaucoup. On a vu ça aussi chez les juniors, ils ont été avec 3 sur le podium. Et je crois que maintenant aussi, Blask, c'est vraiment un des grands concurrents et je crois même un des grands favoris. Et donc on vient de découvrir Verwecken du côté des Belges et Mario De Klerk. Évidemment, le réalisateur s'arrête sur ce grand coureur 1m95. C'était Blask, voilà donc De Klerk. À côté de Grunendal, à la droite de De Klerk, on a Wellens et Nijs. Tous les Belges, puisqu'ils sont favoris, tous les Belges sont sont en première ligne. C'est très important en cyclocross également, puisque le départ joue un rôle prépondérant. Et surtout sur un parcours aussi rapide, c'est important de prendre un très bon départ, parce que les différences ne sont pas toujours très grandes, mais même 50 mètres, c'est une grande distance pour fermer un trou. Donc sur le parcours rapide, c'est important de prendre un bon départ et comme ici, tous les Belges sont sur la première ligne, c'est parfait. Alors du côté belge, on a déjà une médaille d'or chez les moins de 23 ans. C'était une demi-surprise puisque Sven Van Torenhout était le grand favori. Et voilà, c'est parti pour une heure sur le circuit de Tabor. Ce sont les supporters, les soigneurs et l'équipe technique qui suit pour aller se placer au poste. Et donc c'est Blask qui est déjà en tête au premier virage. Et on voit que les Belges sont déjà bien bien mis. Oui, ils sont. Là on voit Tom Van Noppen à Winverwecken. Et ici en deuxième position c'est Sven Nijs, je crois. Sven Nijs, De Klerk un petit peu plus loin. Bart Wellens avec le casque blanc qui passe maintenant. Grunendal est devant aussi. Je crois qu'il est en troisième position. Grunendal. Ensemble avec Hirtinus, au sud hollandais. Mais comme on voit, les Tchèques ils ont pris un très bon départ. Aussi comme en junior, ce matin, les Tchèques étaient tout de suite devant. Et on voit tout de suite que c'est un parcours très, très rapide. On voit quand même que la couche supérieure a dégelé. Alors un parcours où il y aura des ascensions qui pourraient avantager Nijs par rapport au championnat de Belgique où c'était surtout le sable. Nijs qui est la deuxième, Verwecken troisième. Et puis le dernier belge, je pense que... C'est De Klerk qui fermait la marche du côté belge. On voit tout de suite que le parcours est dégelé beaucoup depuis ce matin parce qu'il y a beaucoup d'eau sur le parcours et il n'y a presque plus de neige. Ça veut dire que ça devient une course très difficile parce que au début de la course c'est encore très dur mais à la fin ça peut encore être beaucoup plus mouillé. Mais ça va évidemment comme l'année dernière aux Pays-Bas. La course des juniors ce matin et puis au fil des tours ici ça va être pire chaque fois puisqu'on risque d'avoir de la boue vraiment terminée dans la gadoue. C'est un départ très rapide de Petr Blask. Je ne sais pas si ça c'est la bonne tactique mais peut-être qu'il va vouloir partir tout de suite. On voit tout de suite qu'il y a un petit groupe de tête
Et Wellens qui est lâché. Dans les Belges en tête, on a Neyss en deuxième position, Verwecken et je pense Mario Leclerc. Ah, Van Open. Peut-être Van Open, je ne sais pas. Je crois que c'est Van Open. Ouais, c'est Van Open. Le casque de Clerc. C'est Neyss, Verwecken, Van Open dans le groupe de tête. Mais naturellement, c'est juste après le départ. Mais il y a quand même déjà un petit trou. Oui, et de Clerc n'est pas de Clerc qu'on peut reconnaître à son casque noir, jaune, rouge. Alors, on avait parlé de la neige, il n'y en a pas. On avait fait. Oh, une chute. Une chute du côté hollandais. Oui, voilà, même de Vos. Tu crois que c'était une chute de Gerben de Knecht. Oui. Voilà. Groenendaal qui est là, juste derrière le 32. Verwecken qui court. Et on voit déjà au visage maculé debout de Verwecken que. Là, on voit Sven Bart Wellens. Et alors, de Clerc qui est beaucoup plus loin, lui. Il est au milieu, avec le vélo sur l'épaule. Ah, oui, oui, oui. Le voilà. Oui. Avec Pontoni à ses côtés. Ce n'est pas un bon départ de Pontoni non plus, parce qu'il était quand même aussi vu comme un des favoris aujourd'hui. Pontoni qui reste sur une fin de saison juste avant ses championnats du monde assez brillante. Il avait été deuxième à Pontchâteau, manche de la Coupe du Monde, 12e fois champion d'Italie la semaine précédente. Et la semaine dernière, à Lanarvilly en France, il avait remporté le cyclocross devant Groenendaal. C'est pour ça qu'on en avait fait un favori. Et puis on s'était rappelé que son titre à Munich en 97, il l'avait acquis dans la neige. Et que l'année suivante, à Poprad, il y avait encore de la neige. Et sans une crevaison, il aurait sans doute reconduit son sacre. Et ce qui est étonnant, c'est que Dlas qui fait 1m95 et qu'il tient bien en équilibre sur un parcours très glissant. Oui, oui. C'est un coureur très technique aussi, mais naturellement, c'est plus facile quand on est un petit peu plus petit. Je crois que Wellens va revenir dans le groupe de tête. Voilà. Ici, Pontoni. Et toujours pas de Mario. C'est étonnant ce mauvais départ du champion de Belgique. Oula. Van Noppen qui a un peu glissé. C'est vrai que Dlask fait beaucoup d'efforts en tête. Il n'a pas encore été relayé une seule fois. C'est lui qui imprime le tempo. Mmh. Il fait comme les autres Tchèques ici au tournant. Ils prennent le Nadar et comme ça il peut tourner quand même un petit peu plus vite. C'est autorisé, mais je crois que c'est une bonne idée. On voit qu'il fait quand même un petit trou, mais il a dégelé beaucoup maintenant. Ouais, parce on voit parfaitement sur cette image la boue, la gadoue. Mais ça fait partie des conditions de course. Ouais. Ce matin chez les juniors c'était encore tout dur. Maintenant, ça a changé beaucoup. Mais ça rend le parcours très difficile parce que en dessous de l'eau, c'est encore dur comme de la glace. Donc, ça devient beaucoup plus technique et très, très glissant. Et De Clerc qui est avec aux alentours de la 15e, 20e place avec l'Italien Valeriano Vandelli. Deuxième passage à pied en théorie avec les escaliers. Donc on a vu Verwecken devant Neyss et Van Noppen respectivement. Deuxième, quatrième et cinquième. Alors la course d'attente pour Sven Neyss qui se retrouve encore avec Groenendaal. Est-ce que les Belges vont vraiment faire bloc? Je crois qu'avec ce qu'on a vu l'année passée, et la déception qu'on a vue dans tout chez Sven Neyss et Mario de Clerc, que Sven Neyss ne va plus oser faire la même chose que l'année passée. Il va quand même rouler comme Belge et pour la Belgique cette année. Mais naturellement, c'est toujours difficile. Ça dépend aussi de ce qu'ils ont dit dans l'équipe Rabobank. On voit le tour de 16-14, c'est environ 15 secondes plus rapide que le premier tour des juniors. Des juniors et aussi des espoirs d'ailleurs. C'était, il faisait, mais naturellement, le parcours est, je crois, un petit peu moins rapide parce qu'il est mouillé maintenant et ce matin c'était encore très dur. Et là, il y a un trou qui est fait. Wellens, on dira qu'il a. C'est Pontoni. Il a raté le bon wagon alors que De Clerc est là. Ah non. Oui, c'est Pontoni qui tire le peloton et De Clerc et Wellens sont dans le groupe. Et alors pour la petite histoire, tant qu'on est au palmarès,
ce matin, on a assisté à un triplé des Tchèques avec la victoire de Martin Bina et surtout la deuxième place de Radomir Simonek, qui n'est autre que le fils de l'ancien champion du monde. Le seul champion du monde tchèque de l'histoire, Radomir Simonek. Ouais, il a gagné aussi dans chaque catégorie, Radomir Simonek. Il a été champion du monde junior, champion du monde amateur et élite. Mais son fils, Radomir Simonek, ce matin, il a roulé beaucoup de la course en tête. Quasiment la moitié de la course, il a roulé seul en tête. Et à la fin, il a vu que deux équipiers sont revenus. Il a gagné encore la deuxième place en sprint. Deuxième pour la sprint, deuxième et troisième place. On a trois Belges dans les cinq premiers. Et c'est pas vraiment une surprise, on s'attendait à avoir une domination de la Belgique. Mais il faudra se méfier de cet homme Groenendaal et de Peter Lask. Groenendaal qui a pris les choses en main et qui va tenter, comme à son habitude, de partir seul, de durcir la course. C'est le scénario qu'il aime, ça. Et une poignée de mètres. C'est Lask qui laisse travailler Verwecken pour revenir chez Groenendaal. Est-ce qu'il a pris un départ trop rapide, peut-être? Lask, c'est possible. Et c'est très bien de Tom Van Oppen qui est encore dans le groupe de tête. Un excellent départ de Tom Van Oppen. Alors ils roulent tous avec des jambières, je pense. Ouais. Non, ah, pas, Lask, pas le. Lask, pas. Et Van Oppen non plus. Trois quarts. Trois quarts pour Van Oppen. Et le Tchèque, lui, comme si de rien n'était, comme s'il faisait bon. Quand même, il a des manches longues. Ouais. Et à cet endroit, déjà tout à l'heure, Verwecken était passé avec le vélo sur l'épaule. Derrière, on va arriver Pontoni, Wellens, De Vos, De Clercq qui remontait. Ouais. Ça, c'est bien pour les Belges, mais est-ce que Wellens doit ramener la meute et ramener Pontoni? C'est la question. 10 secondes. 10 secondes, c'est beaucoup et peu à la fois sur un circuit comme ça. Ouais, ouais. Groenendaal, il a quand même un petit trou. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut compter. Il ne faut pas le laisser partir comme l'année dernière. Certainement pas. Et alors, on a mis les planches de façon à ce que Neiss ne puisse pas sauter dessus. Et c'est toujours après un virage ou après directement après ici les escaliers. Donc Neiss ne sait pas utiliser la tactique qui le caractérise, c'est-à-dire sauter au-dessus avec le vélo. Non, ici, il n'y a aucune place pour faire ça. Naturellement, le parcours en lui-même est très technique, donc ça doit être... Ça doit la favoriser un petit peu, mais il ne peut pas utiliser son point le plus fort. Parce que Van Oppen va pouvoir tenir. Ce qu'on a aussi sur un parcours comme ici, quand c'est très glissant et très rapide, c'est que parfois on a trop de chevaux, trop de force, qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est trop glissant. Donc c'est surtout la technique et la souplesse du coureur qui compte ici. On vient de voir tous les trois, les Groenendaal, Verwecken et Lask, utiliser la barrière Nadar pour tourner. C'est le Tchèque qui l'utilise mieux. Oui, il vise vraiment dans son virage. Ah, ils ont peut-être fait beaucoup d'entraînement là-dessus. Ils ont quasiment dormi ici sur le parcours. Voilà, Verwecken qui est revenu. Oui. Je crois que ça temporise un petit peu. Peut-être que c'est le moment, quand ils vont venir sur la route, à la fin du tour, pour le groupe derrière, pour revenir. Mais ils doivent naturellement s'entendre. Et c'est De Clercq. Ici, c'est De Clercq. Oui. De Clercq. Avec De Vos. Qui ramène Wim De Vos. Et là, Garbendeknecht. Et puis, on n'a pas vu Wellens. Toujours Groenendaal en tête. Peter Delas qui a fait le premier tour en tête, Groenendaal qui fait le deuxième, mais pour nous Belges, pas de soucis, trois Belges dans les cinq premiers, et de toute façon, c'est le dernier tour qu'il faut faire en tête, hein, c'est préférable. Oui, c'est le dernier mètre en tête, c'est surtout assez. Le dernier mètre. C'est assez. J'ai vu aussi maintenant que Sven Nys regardait derrière, peut-être pour voir où les autres Belges sont. Je crois que c'est bien que
pour le moment, il n'y a aucun Belge qui a roulé en tête parce que comme ça, ils ont la possibilité que des autres vont revenir. Alors, est-ce que la tactique pour Sven Ney, ça ne serait pas d'attaquer? Puisque s'il attaque seul, en théorie, Peter de Lasque devrait aller derrière, Grunendal devrait lui respecter ouais. C'est cadeau l'année dernière. Est-ce que Grunendal va rester quand Ney attaque? Ça, c'est la question, naturellement. Maintenant, on voit quand même qu'ils se regardent et le deuxième groupe va revenir certainement parce qu'ils vont voir aussi que devant, ça ne roule plus. Et il y a seulement deux coureurs, ça doit être Wim de Vos et Mario de Klerk. Oui. C'est 10 secondes seulement ou 11 secondes, c'est pas beaucoup. Et voilà Neis qui est remonté. Oui. Lasse qui prend la tête pour aller dans la... Ah non, c'est Neis. Ce sera Neis qui tourne et qui file maintenant vers les labourés, le voilà. On voit l'état du circuit qui s'est vraiment détérioré. Van de Poel qui accuse un peu le coup. Il va voir revenir lui Mario de Klerk assez rapidement. Ouais. Nice, Lasque. Grunendal va reconnaître Van de Poel. Oui, on voit que Lasque voulait vraiment rouler deuxième parce que je crois qu'il a un peu peur que Verwecken va laisser tomber le trou pour Sven Nys. Et c'est pour ça qu'il se met entre les deux. Ah, faut bien de le rappeler, il y a cette tactique d'équipe qui peut jouer hein. Deux coureurs. On l'avait vu sur la route, rappelez-vous, à Milan-San Remo, quand Schmid avait attaqué, c'était plein de cartes qui étaient juste derrière. Et bien en cyclocross, ça fait encore plus de dégâts, puisque Philippe l'a dit, un trou de 40-50 mètres, c'est énorme à résorber. Ouais, je crois que Mario de Klerk est en train de revenir, il est tout près du premier groupe maintenant, je crois. C'est une bonne chose pour la Belgique, évidemment, de compter sur Mario de Klerk dans ce groupe de tête, même s'il revient avec Wim de Vos. Mais je ne crois pas que j'ai vu Wim de Vos dans sa roue. Maintenant, c'est Tom Van Oppen et il va venir tout de suite après maintenant. On a vu les roues, mais... Le début de la roue, voilà. Ah oui, quand même, ils sont deux. Et Wim de Vos. Je crois que c'est moins que 11 secondes. Et donc, on confirme bien qu'on devra parcourir 10 tours. Alors, où est Wellens? Il est là, il vient seulement de passer, je pense, là derrière. Ouais. Enfin, sur 5, on en a quand même 4 dans les 7 premiers, c'est pas mal. Et rappelons qu'en 2002, c'est à Zolder qu'on disputera le titre mondial. Et toujours Sven Nys en tête, avec Peter de Lasque à ses côtés. Là, on voit Mario qu'il est vraiment tout prêt maintenant. Autrement, c'est... Il est toujours le même. Oui, il est un peu décroché. Oui. Oui. C'était l'image qui a... changer un petit peu, mais quand même il va revenir, surtout parce que maintenant il y a Sven Nys en tête, peut-être qu'il va même attendre un petit peu, comme ça ils seront 4 Belges sur 5, ce n'est pas mal. Sur 5 c'est pas mal. Alors on ne pourra pas faire mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière on avait eu une médaille chez les juniors, 3 médailles chez les espoirs moins de 23 ans et 2 médailles chez les élites, ça fait 6 au total. Cette année, on n'en a qu'une pour le moment, donc au mieux, on pourrait faire 4 médailles. Mais imaginez si on arrive à placer 3 hommes sur les 3 premières places. En élite, c'est merveilleux. Cette année, c'est la Tchéquie qui fait mieux, parce qu'eux, ils ont déjà eu 3 médailles ce matin, et je crois hier aussi. Hier, effectivement, ils étaient... Ils ont la médaille d'argent et la médaille de bronze derrière Van Tourenhout. Donc ils ont déjà 5 médailles. Ils peuvent faire mieux que la Belgique l'année passée. En tout cas, égaler la Belgique, puisque à part avec la médaille de Dlask, je ne pense pas qu'il y aura un deuxième tchèque. Sait-on jamais sur le podium. 3 degrés, on l'a dit, il fait froid. Mais ça aurait pu être beau. Ça aurait pu être pire. Et... Ouais. Il fait pas froid assez pour tenir le sol dur.
Et on voit aussi, ça doit être très, très difficile maintenant pour les yeux, pour aller dans la boue, parce que certainement quand on est sur, dans la roue, avec un parcours aussi mouillé, la moitié du tour, on voit quasiment rien. Voilà, De Clercq qui est revenu avec Wim De Vos. Oui. Et très belle réflexion. Seul Peter Dlask porte des lunettes. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est très difficile de rouler avec des lunettes parce que après quelques mètres, ils sont pleins de boue et c'est quasiment impossible de voir où on roule. Dans le premier tour, j'ai déjà vu quelques coureurs qui ont jeté leurs lunettes. Et Dlask, il roule toujours avec les lunettes. Peut-être qu'il peut les nettoyer en roulant, je ne sais pas. C'est un système comme les pilotes de moto. Oui, peut-être. Apparemment, à première vue, c'est des lunettes traditionnelles, mais bon. Ou bien il s'est entraîné sur ce parcours autant qu'il le connaît par cœur, il roule peut-être avec les yeux fermés. Ah, il en rêve, Dlask. Il a fait un petit trou de nouveau. Ouais. Il a basé sa saison sur ce championnat du monde. Il évolue devant son public. Et même De Vos qui est peut-être retourné un petit peu trop vite parce qu'il doit de nouveau laisser un petit trou. On voit, ouais. Il n'est même pas encore. Voilà, on le voit là maintenant. De Clercq, c'est normal. Il se met lui en queue de groupe et il tente de récupérer après l'effort. Oui, oui. Ça a une belle figure. Oui, on voit que c'est très très glissant et très difficile. C'est plutôt le parcours qui dirige le vélo que le coureur qui dirige le vélo, donc c'est vraiment très difficile de contrôler. 6 minutes 12 ce troisième tour. Et donc au niveau du chrono, chrono 6-14 pour le premier, 6-09 pour le deuxième, 6-12, un chrono quasiment équivalent. Ouais, c'est quand même très rapide. Dlask, Rovecken et Neis. Ça doit être une moyenne de plus de 27 km par heure. C'est un peu plus de 27 km la moyenne. Donc, c'est vraiment très rapide. Et Dlask qui fait quand même beaucoup de travail. Je trouve que ce n'est pas nécessaire parce que pour lui, comme en étant tchèque, il a 3-4 Belges chez lui. Il peut laisser le travail aux Belges et essayer de profiter, mais il fait le travail lui-même. Peut-être qu'il se sent très fort. 9 secondes pour Wim De Vos. Donc parmi les 6 premiers, 4 Belges. Meiss, Verwecken, De Clercq, 3 des attendus. Van Noppen peut-être à la place de Wellens, quoique. Et puis les deux autres favoris. Peter Dlask, le Tchèque. Et Groenendaal, le champion du monde en titre. 27,581 à la moyenne. Vous aviez bien vu, Philippe. Oui. Il est généreux, Peter Dlask. Mais attention, il reste encore 7 tours pour lui. Oui, oui. Peut-être en train de jouer la carte des Belges sans le vouloir. On va pas s'en plaindre évidemment. Et De Clercq qui termine ce tour toujours dans les roues. Les Belges sont vraiment très bien mis pour le moment. Ils font quasiment pas de travail, donc pour eux c'est magnifique. Ils ne doivent pas faire le travail. C'est aux autres coureurs de Dlask et Groenendaal de leur pousser de faire le travail, mais ils ne le font pas donc. Radomir Simonek. C'est le papa. Hein. Oui. L'équipe tchèque qui est emmenée par Dlask, on l'a dit, mais surtout au niveau du palmarès, il y a Radomir Simonek et Jiří Prospisil, sont deux anciens, c'est vraiment la vieille garde. Mais derrière, la relève est là, hein, on vous l'a dit. Déjà 5 médailles dans les catégories des jeunes. Et voilà donc De Vos. Ça doit être très dur maintenant pour De Vos. Il est revenu ici, on voit Hendrik Gernis, je crois. Qui a été champion du monde en cyclocross, mais aussi 3 fois champion du monde en VTT. Et ici, on voit Bart Valens. On n'a pas vu longtemps. Et c'est Groenendaal qui prend la
tête des opérations. Roenendaal, Van Wecken, Dlask, Neys, Van Noppen et De Klerk. C'est sûr que pour le coureur de Sint-Michiel-Kestel, la situation est tout à fait différente par rapport aux circonstances de l'année dernière, qu'il avait vu partir après un tour, faire cavalier seul, et il avait profité de la mésentente dans les rangs belges. On a promis qu'on ne nous y reprendrait plus du côté des Belges. Et tout de suite, Van Wecken qui est avec lui, Neys qui reste là, Van Noppen et Mario De Klerk. Rappelons que Neys a déjà été deux fois champion du monde chez les Espoirs. Ouais. Et que Mario De Klerk a été, lui, deux fois champion du monde chez les élites. C'est aussi un parcours très dur pour rouler en tête pendant toute la course parce que, à cause de la vitesse, quand on a un groupe qui peut chasser derrière et se relayer, et ils ont beaucoup d'avantages. Donc c'est peut-être pour ça qu'aucun coureur risque d'attaquer maintenant et de rouler seul parce que c'est très tôt. On le sait, en cyclocross, tous les scénarios sont possibles. Les rebondissements de situation peuvent survenir à tout moment. On se rappellera de la finale l'année dernière du championnat de Belgique où à un moment on pensait que Neys avait gagné. Oui. Et puis un problème mécanique, c'est Van Wecken qui est en tête, il prend le large et dans les 300 derniers mètres, c'est Van Wecken qui lui connaît un problème pour permettre à Neys de filer vers le titre. Donc tout est possible, on l'a vu plusieurs fois en cyclocross. Mais là, je pense quand même que tout est possible pour les 6 de tête. Je ne pense plus que De Vos puisse encore revenir. Je ne crois pas qu'ils vont encore revenir. Naturellement, quand ils commencent à se regarder, c'est toujours possible quand ils viennent sur la route. On peut fermer un trou de 10-15 secondes une fois sur la route. Et alors, ça peut changer beaucoup. Voilà donc les deux coéquipiers. Groenendaal a dit dans la presse, Sven Neys est un collègue, ce n'est pas un ami, je ne lui dois rien. Donc le message est clair. Ouais. Et Van Wecken qui a pris un peu le large, qui oblige Dlask et Groenendaal dans une moindre mesure à faire l'effort. C'est Dlask qui est parti et Neys qui est là en embuscade. C'est bien vu de la part de Van Wecken. Van Wecken qui a presque une fois été champion du monde quand Mario De Klerk devient champion du monde pour sa deuxième fois. À Poprad. Oui, quand... Van Wecken roule jusqu'à, je crois, 200 mètres ou 300 mètres de l'arrivée en tête, seul. Et puis il fait 2-3 petites erreurs et il perd encore le titre. Il faut dire qu'on n'a pas eu, au niveau des championnats du monde, on a 6-0-5, le tour le plus rapide. Ouais. On a ces dernières années été gâtés au niveau des titres, mais on a aussi connu quelques événements, quelques tiraillements au sein de l'équipe belge l'année dernière entre De Klerk et Neys. Pour les raisons que l'on sait, et puis pour les raisons que vous avez rappelées à Poprad, des tiraillements entre De Klerk et Van Wecken qui s'était classé premier et deuxième. Et voilà, première fois que De Klerk vient en tête. Et Dlask qui suit tout de suite dans sa roue. Il est très attentif, Dlask. Un coureur qui roule aussi attentif, qui va tout de suite prendre la roue de premier. C'est un coureur qui est très 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 bien en forme. Ça veut dire qu'il roule très facile parce que sinon, on fait vite une fois. Peut-être l'erreur de laisser un petit trou, de se laisser aller jusqu'en 3e, 4e, 5e position. Mais ici avec Dlask, on voit que toujours et tout de suite il est dans la roue. Ça, c'est un très bon signe pour lui. Naturellement, les Belges n'ont pas encore dû rouler en tête, donc on ne sait pas vraiment comment eux ils sont. Ça, c'est Van Noppen qui ferme la marche. Lui, il est surtout heureux d'être là. Avec les 5 des 7 favoris. Oui, c'est peut-être très bien qu'il reste là. Peut-être qu'il va même faire la surprise aujourd'hui. Ce serait très joli, naturellement. Dlask, De Klerk, Neys et Van Wecken. Avouez qu'on a quand même une garde royale derrière le Tchèque. Ça, c'est un classement qui n'est plus tellement d'actualité. Puisque, vous le voyez, hein, c'est le Tchèque qui a repris les commandes devant Neys. Ouais, maintenant, c'est au tour de Neys, je pense. Neys, oui. Ah, Dlask qui a jeté ses lunettes. Donc finalement, après 3 tours et demi, ou après 4 tours et demi,
C'est le net, sont pleins de boue aussi. Ah, une chute chez nous, Alain Verwecken, oui. Il ne va pas perdre beaucoup de temps, mais quand même, là, il n'a pas de problème mécanique. Évidemment, ça peut se revenir à tout moment. La panne mécanique, plus que dans le cyclisme sur route, à part peut-être dans Paris-Roubaix. On va voir. Oui, on voit que le parcours est vraiment très glissant. C'est Grunendal, oui. Ouais. Je ne vois plus Verwecken. Voilà. Je pense qu'il a dû se faire soit un petit peu mal. Maintenant, si Ness il va continuer fort, ça va être difficile pour revenir. Et Ness, naturellement, n'a pas vu que Verwecken est tombé. Et ça peut être difficile pour Verwecken. Il y a peut-être un problème mécanique aussi pour Verwecken. Et Grunendal qui est aussi un peu en retrait. Ouais. Alors là, il faut. C'est un cruel dilemme, mais je pense que si Grunendal accuse un peu le coup, il faut remettre une couche. Donc voilà, Grunendal qui revient. Ouais. Ça, c'est naturellement le danger de rester derrière dans un groupe de tête. Quand il y a quelqu'un qui tombe devant, on est toujours un petit peu plus loin derrière. Et c'est pour ça aussi que Dlask qui reste toujours devant. Verwecken, quand même, il a un petit trou. Voilà, le voilà. On n'a pas vu de l'emplacement du poste matériel. Non. Je ne crois pas qu'il a un problème mécanique, mais on ne sait jamais. Sven Nys, qui est peut-être le plus doué sur un circuit où on a besoin de technique. Je crois. Naturellement, les coureurs qui roulent devant ici sont tous très techniques, mais je crois que Sven Nys est quand même le plus technique du groupe de tête. Ça, c'est évidemment Sven Nys. Oui. Verwecken est là derrière, derrière. Tout jaune, le visage tout noir. Oui. Voilà, Mario Leclerc. Vous avez parlé de son casque noir, jaune, rouge. C'est évidemment en mémoire et pour rappel, en mémoire de ce titre qu'il a gagné à Mol, champion de Belgique, le seul maillot qui manquait dans sa garde-robe. On s'attarde sur Peter Dlask, c'est normal, c'est le régional. Ah, voilà, Verwecken. Je crois que c'était Verwecken qui est. Non ? Si, d'ailleurs. Oui, il va revenir. C'est une bonne chose pour nous. Et Dlask qui attaque. Dlask qui attaque. Et Nes qui va. Qui va chercher. Forcément. Ouais. C'est un morceau en côte ici qui est très dur. Naturellement, maintenant c'est très difficile pour Verwecken, juste au moment où il va reprendre le groupe, qu'ils vont attaquer. Ici, on voit André Gernis qui a repris Wim de Vos. Et juste dans sa roue, je crois qu'il y avait Bart Wellens. Dernis, un Danois et non pas un parent de Michel Dernis, évidemment. Michel Dernis qui s'est, à ma connaissance, qui n'a pas dû s'essayer au cyclocross, mais qui a fait d'autres choses, d'excellentes choses sur la route. Maintenant, Verwecken va certainement pouvoir revenir parce qu'ils vont arriver sur la route et ils vont quand même se regarder un petit peu. Et le trou de 10-15 mètres qu'il a encore, il va tout de suite pouvoir le fermer. Tom Van Den Pom qui est toujours là. On a vu qu'il était sur le grand plateau. Oui. Comme expliqué que les développements ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise sur la route. Non, ça dépend naturellement du parcours, mais peut-être qu'ils vont rouler ici avec un plateau de 48 à la place de 53 sur la route. Donc, mais sur un parcours comme ici, c'est nécessaire de rouler un petit peu plus petit parce que sinon ce n'est pas possible de tourner le grand plateau. Maintenant on voit que Verwecken, il va revenir dans le groupe. Voilà Wellens. Oui, 25 secondes, 27, 26. Et le tour avant, je crois que c'était 27 secondes. Donc ils ont quasiment resté sur le même écart. Et c'est Wellens ensemble avec Hendrik Gernis. Donc pour les Belges, au classement inter-équipe, on devrait normalement ne pas avoir de problème. Ne pas avoir de problème, comme l'année dernière. Mais
pas ça qu'on vise, c'est évidemment la médaille d'or. Mais c'est le maillot qui compte. Toujours Peter Velasque. Soutenu par tout un public, mais on l'a vu sur le parcours, tout au long de ce parcours, il y a beaucoup de drapeaux belges, beaucoup de supporters belges. Les parasols là, ce sont aussi des Belges. 5 secondes pour Verbeken, c'est pas grand chose. Il est revenu, je pense. Il est revenu, je crois, oui. On va en voir directement. Il ne reste pas en dernière position, ce qui est bien. Certainement, quand on doit refermer un petit trou, quand on arrive dans le groupe de tête, de nouveau, il faut tout de suite aller un peu plus devant parce que on peut toujours avoir un nouveau petit problème. Et pour récupérer, ce n'est pas ça ce qu'il faut. Yannès qui reprend la tête. Avec Leclerc derrière. On a passé la demi-heure de course. Donc je vous dirais qu'on a passé quasiment la moitié de la course. J'ai l'impression que Ness il roule très facile. Là c'est Van Noppen qui est un peu détaché. Un Van Noppen qui tente de s'accrocher sur derrière Grunendal. Donc la preuve avec ces calicots encourageant les coureurs belges. On voit même De Vos déjà en 12e position. Il est quand même revenu trop vite dans la roue de Mario De Klerk. Voilà Wellens. Oui. Alors est-ce que lui est capable de revenir? Wellens, il a un peu soufflé le chaud et le froid tout au long de la saison. Je crois qu'il va devoir compter sur le premier groupe qui va peut-être se regarder pour revenir parce que sinon, le 23-25 secondes, ce ne sera pas facile de refermer parce que pour le moment, ils ne sont pas à l'arrêt ici. Ça roule, c'est toujours quelqu'un d'autre qui fait l'effort. Donc, ça va, si on voit même que le groupe s'étire un petit peu, donc ça veut dire que ça va très vite. Avec toujours Neys devant Delasque et Mario De Klerk. Ensuite, on vient de voir Wellens qui, lui, a laissé le Danois. Hendrik Djernis. Et même De Vos là-bas. Là, c'est la cohorte de Hollandais et de Tchèques qui suit. Toujours Neys en tête devant Peter Drals, De Klerk, Verwecken, Grunendal et Tom Van Noppen. 5 secondes, c'était pour Van Noppen, mais il est revenu. Neys qui regarde beaucoup derrière, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il il veut que Tom Van Noppen reste dans le double tête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il regarde vraiment beaucoup derrière. Alors, au petit jeu des pronostics dans l'équipe belge, Neys avait dit que son favori, c'était De Klerk. De Klerk, lui, voyait plutôt Verwecken s'imposer. Verwecken aurait parié sur Wellens, voire Neys. Et enfin, Wellens, lui, il citait aussi Verwecken. Il n'y a pas beaucoup de Belges qui misaient sur Neys, finalement. Non. Ça m'étonne, mais parce que tout le monde peut encore avoir raison, sauf pour Bart Wellens. Pour Bart Wellens, oui. C'est-à-dire pour Verwecken. Oui. Verwecken qui est quatrième. Quelle est la tactique du camp belge, et on rappellera, mais ça c'est tout le monde le sait, que c'est Eric De Vlaeminck qui coach cette équipe belge. Eric De Vlaeminck, recordman du nombre de titres mondiaux, 7 victoires, 7 titres dont 6 d'affilée entre 68 et 73. La Belgique qui est largement en tête, 17 titres depuis le début des championnats du monde. Peut-être que Valence est quand même revenu un petit peu maintenant. Il risque de payer ses efforts en tout cas, mais enfin il reste. Et j'avais aussi l'impression que Richard Grunendal. Chute. Et c'est un Belge. C'est un Belge, oui. C'est Verwecken ou Van Noppen. Ouais. Je pense que c'est Van Noppen. Et Neys qui va changer de vélo. C'est Verwecken qui est ici, donc c'est Van Noppen qui est tombé. Mais je n'ai pas vu Grunendal. Non, c'est l'image. Avant, on avait vu que Grunendal devait lâcher un petit peu.
Et maintenant, donc, ça va être la course entre trois Belges et les Tchèques. Il y a un petit trou. Oui. C'est une bonne chose pour nous. Et certainement, maintenant, ce n'est pas le moment pour Peter Dlask de rouler en tête, parce qu'il a trois Belges seulement avec lui. Il doit laisser travailler les Belges et essayer de profiter le plus que possible. Il s'aperçoit que Grunendal n'est plus là, là. Ouais, et lui, donc, il remet une couche, lui. Il ne vous écoute pas, et pourtant, je pense que vous aviez raison. Alors, il se sent très fort. Il reste trois tours à couvrir. On va voir l'écart. J'espère qu'on va pouvoir voir l'écart avec, avec Grunendal. Il n'est pas au bout de la ligne droite. Il continue à rouler en tête. Ce qui est étonnant, c'est du côté belge. Enfin, il se contente de suivre, mais il ne faut pas laisser revenir Grunendal. Autrement, c'est très bien pour les Belges, parce que comme ça, eux, ils peuvent se reposer et c'est de là qu'il va se fatiguer. Et quand ils sont 3 contre 1, ça devrait quand même être un des 3 qui va gagner la course. On ne comprendrait pas que, si la situation reste comme ça, on ne comprendrait pas que la victoire puisse échapper à la Belgique, d'autant que, rappelons-le, s'ils arrivent et qu'on a droit à un sprint, Dlask est loin d'être le plus rapide. Avec Verwekkens, ce sont les deux plus lents du groupe. Et normalement, ce devrait être Nice au sprint. Oui, mais le sprint, à partir du dernier virage jusqu'à la fin, il est très court. Voilà, Grunendal avec Wellens et Van Noppen. Oui. Donc s'il revient, il va ramener Wellens. Mais je ne crois pas que Grunendal va revenir, parce que je crois que Grunendal a lâché le groupe sans vrai problème. Là déjà, il n'était plus dans le groupe. Oui, il n'était plus dans le groupe. Et c'est Tom Van Noppen. Alors qu'on nous annonce Grunendal, mais je suis formel, c'est un maillot bleu qui a glissé. Et voilà De Klerk. Dlask, Verwekkens et Nice. Peut-être qu'il a la meilleure position, Nice. Maintenant, naturellement, tout le monde a vu que Grunendal n'est plus là, donc ils vont certainement pas ralentir maintenant. C'est vraiment le moment d'aller à bloc. Mario De Klerk fait le forcing. Very high speed now from Mario De Klerk in the front position. Le trou semble définitivement fait. 13 secondes, maintenant ça doit être encore un peu plus. Et dans le groupe de poursuivants, il y a encore deux Belges. Peut-être assuré, 5 Belges parmi les 7 premiers. Ça, c'est presque sûr. Mais comme on a vu, c'est toujours. Ça peut changer très vite sur un parcours comme celui-ci. Espérons pas, naturellement, mais ici, on va De Klerk. Qui va revenir sur les. Sur le doublé. Il va commencer à doubler. Je pense que c'était Masahiko Mifune. Ah, c'est mon équipier. Oui. Sur la route, il est devenu champion de Japon cet hiver. 6-20, le temps la moyenne qui est de 27 km tout rond. Et le temps par tour qui augmente. Alors c'est évidemment facilement explicable, puisque le terrain d'abord est de plus en plus boueux, de 1, et puis de 2, les organismes sont un peu éprouvés. De Klerk toujours avec Dlask dans sa roue. Devant, ce sont les attardés. La tête de la course, la voilà. 1, le champion de Belgique. Ensuite, le Tchèque Verwekkens et Neys. J'ai l'impression que Neys se repose un petit peu. Et que bientôt, il va quand même faire une attaque, s'il peut. Mais toujours, on va Dlask qui est tout le temps en deuxième position. Ou bien en tête, ou bien en deuxième position. Ce qui veut dire quand même que il doit se sentir très très fort. On a vu une roue derrière les Belges. Ce sont normalement les deux doublés à moins d'un miracle qui aurait permis à Grunendal de faire un bond. Et là, évidemment, ce sont Mifune, le premier, et puis Dmitro Borishov, un Ukrainien que je vous avoue ne pas connaître. Et on voit bien la roue arrière de Klerk qui fait voler la boue. Toujours Mario De Klerk. Ah, le scénario est beaucoup plus agréable que celui de l'année dernière. Mais où est Nice? Pas vu Nice. On n'a pas vu Nice.
Verwecken. Ah non. Non. Peut-être qu'il a eu un problème mécanique, mais il n'est plus dans le groupe de tête. Ah. Donc le podium, déjà, il y a, pour le moment, il n'y a pas possibilité d'avoir trois Belges sur le podium. Le Mace. Ah. Le voilà avec Wellens. Il a évidemment eu un problème mécanique, c'est la seule explication. Il a dû avoir un problème, oui. Non, il est avec les doublés. Il est avec l'Ukrainien et je pensais qu'il y avait Wellens avec eux. Non. Wellens est juste derrière, le voilà. Ouais. On l'a mis Founet, comme Founet, notre ami. Oui. Notre coéquipier en tout cas. L'équipier de chez Crédit Agricole. De Klerk, Verwecken, Dlask. Voilà, la meilleure tactique pour le Tchèque, c'est de rester dans les roues. Oui. Et pour les deux Belges, que faire? Attendre. La meilleure tactique, naturellement, c'est de rester dans la roue de Dlask, mais. Il y a toujours quelqu'un qui doit rouler en tête. Les Belges sont toujours deux naturellement, donc peut-être qu'ils vont s'entendre, peut-être pas. Ça ne sait pas, mais... Verwecken de Klerk, c'est le duo qui nous avait valu l'or et l'argent à Poprad. Oui, oui. C'est-à-dire en Slovaquie. Verwecken, c'est un homme de championnat. Il roule toujours très très bien sur les championnats Belgique, champion du monde. Et de nouveau aujourd'hui, il est devant. Et il mérite quand même aussi de devenir champion du monde parce qu'il a déjà été quelques fois très près du titre. Et cette année, il fait pour le moment, il fait une très bonne saison. Je crois qu'il fait la meilleure saison de sa carrière jusque maintenant. Donc peut-être que cette année, ce sera l'année de Erwin Verwecken. On lui souhaite, on l'espère pour lui. Le coureur cher à il a très froid aux mains. Il roule chez Arsène Van Aarden sur la route. Il a fini au pesant. Oui. Et toujours Dlask. C'est un peu le petit problème pour nous Belges, c'est ce Tchèque, Peter Dlask, 24 ans, dont on dit le plus grand bien. 4 podiums en 6 manches de Coupe du Monde, c'est quand même une référence. 2 fois 2e, 2 fois 3e. Lui, il rêvait avant le départ d'être sur le podium. C'est quasiment sans problème mécanique. Oui. Ça devrait être chose faite et chose acquise. Voilà Neyss. Alors Neyss, il est capable de tout, il est capable de revenir. Hein. Oui, je crois que Neyss, il doit être capable de revenir. Ça dépend naturellement ce qu'il a eu. Naturellement, quand on a un trou aussi grand dans un temps... en 100 mètres, ça veut dire qu'il a eu un problème. Peut-être que maintenant il a changé de vélo et qu'il va pouvoir revenir. 15 secondes. Et là, on voyait un vélo juste derrière, mais je n'ai pas vu le coureur qui était dessus. 6-09, c'est un temps très rapide. Oui. Naturellement, les trois premiers, ils ont vu qu'ils sont seuls. Et c'est maintenant à eux à ne pas laisser revenir des autres coureurs. On a perdu Grunendal, un des grands favoris. On a perdu Sven Nys, un des grands favoris. C'est vraiment le moment d'y aller. Dlask qui a fait beaucoup, beaucoup de travail. Oui. Et c'est toujours lui qui emmène devant Verwecken et de Klerk. Dommage que la caméra ne nous montre pas l'arrière pour voir si... Et voilà Sven Nys. Bart Wellens n'a pas pu suivre Sven Nys. Le voilà maintenant. Et il est quand même en 5e position, ce qui est très bien. 15 secondes, il reste un tour et demi pour Sven Nys. S'il veut être champion du monde, il doit revenir sur les 3 hommes de tête. Et parmi eux, il y a 2 Belges. Mais ici, on comprendra que Nys roule puisqu'il est seul, il ne ramènera personne. Et s'il ramène quelqu'un, c'est un autre Belge. Donc là, on ne tiendra pas rigueur de son comportement. Non. Alors, on voit un Français, David Panier, en 16e position. Le cyclo-cross français se porte, on peut dire, très mal par rapport au VTT. Oui, en VTT, les Français sont très très forts, certainement avec Martinez, Dupuis. Et en cyclo-cross, ils étaient très forts aussi il y a quelques années, mais maintenant c'est beaucoup moins. Ici, Bart Wellens. Ce pauvre coureur, c'est un coureur espagnol, Francisco Mena, qui n'a pas dû rencontrer souvent la boue et les conditions comme ça en Espagne quand il s'entraîne. Alors, Peter Dlask
C'est applaudi, ovationné, mais derrière il y a toujours un Belge qui lui colle à la roue, Verwecken et De Klerk. Peut-être que Klerk il essaie tout le temps de s'échapper. Je ne sais pas vraiment pourquoi il roule tout le temps en tête. Naturellement c'est très bien pour les Belges, mais je ne comprends pas vraiment bien la tactique de Peter Klerk. Peut-être qu'on va comprendre à la ligne d'arrivée quand il va gagner. Alors on va savoir qu'il était vraiment très fort, mais il faut être vraiment beaucoup plus fort pour faire ce qu'il fait maintenant. Et les Belges sont à portée sur un plateau vers la ligne d'arrivée, je crois. Il est en train de dérouler le tapis, mais on va voir, parce que si jamais il nous sort un de ces tours de magie et qu'il dépose les Belges, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est le scénario idéal pour Verwecken et pour Mario De Klerk. Et Verwecken, s'il doit gagner, il doit être seul. Hein. Ou au sprint alors avec Klerk peut-être. Oui, mais le sprint est très court, comme j'ai déjà dit. Et j'ai vu aussi ce matin, quand on sort du dernier virage en tête, c'est très très difficile pour remonter un coureur. Parce qu'il y a seulement, peut-être, je ne sais pas, 150 mètres. Ce qui est vraiment, vraiment très court. Et c'est Verwecken qui attaque maintenant. Oui. Accélération de Verwecken. Et ça fait mal, ça fait mal. De Klerk qui revient tout de suite sur Klerk. Et Svennes. Il n'y a plus 15 secondes, je dirais. Non. Et quoi là-bas, dans le virage, il y a. Mais quand même, c'est plus loin qu'on le croit. C'est le téléobjectif qui nous donne une fausse idée des distances. Et Verwecken. Il attaque vraiment très fort, peut-être que c'est le moment maintenant. Ouais, c'est le moment, d'autant que Mario De Klerk ne roulera pas derrière si Klerk est là. Non. Mais ce n'est pas encore beaucoup, hein. C'est vraiment Klerk est tout près. Et on l'a vu avec son casque qui arrive. Dans la roue. Mais ça, c'est le genre d'attaque qui va faire mal d'abord à Klerk, et peut-être dans une moindre mesure à De Klerk, mais aussi à Neyes qui tente de revenir derrière. Ouais. Mais aussi à Lundvik, naturellement, si les autres reviennent, c'est des forces perdues. Peut-être perdues ou peut-être gagnées si les autres ont perdu plus de forces pour revenir. Il reste encore deux tours, voilà. Entame. Et maintenant, Verwecken arrête. C'est bien vu, naturellement, quand il voit que les autres sont dans sa roue, il doit tout de suite se mettre debout et arrêter de faire le forcing. Et maintenant Mario De Klerk qui va attaquer. C'est bien vu. Les attaques belges successives, là, il y a 22-23 secondes, c'est fini pour Sven Nys. Et maintenant naturellement ça va être difficile, ça va devenir difficile pour Peter Klerk de contre-attaquer chaque fois ou de refermer chaque fois le trou, parce que c'est toujours quelqu'un qui peut se reposer pour préparer une nouvelle attaque. Et c'est toujours le même coureur qui doit refermer le trou, donc c'est vraiment, ça devient très très dur à la fin de la course. En plan sur Richard Grunendal qui lui est vraiment dans un mauvais jour. Hein. Il a fait illusion au début, mais la façon dont il a sauté à la régulière. Et Klerk de nouveau dans la roue de Klerk. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ça? Je ne sais pas. Il a déjà fait beaucoup d'efforts lui-même, Klerk, et maintenant les attaques à gauche et à droite des deux Belges, c'est vraiment difficile. Svennes qui doit continuer à y croire, mais c'est dur. Une vingtaine de secondes, c'est énorme sur ce circuit. Et on ne va pas l'attendre. Ni De Klerk ni Verwecken n'ont envie de voir revenir Svennes. 23 secondes, 43 pour Bart Wellens. On a quand même encore 4 coureurs dans les 5 premiers. On a toujours 4 coureurs dans les 5 premiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Tom Van Oppen après sa chute. Est-ce que c'était une chute de fatigue ou est-ce qu'il a eu des problèmes mécaniques après? Ou peut-être juste avant qui a causé sa chute, c'est possible. Peut-être une crevaison. On ne sait pas. C'était de nouveau un tour très rapide. 6-0-9 comme le précédent.
Et toujours Peter Drals dans Peter Drals dans les roues de Leclerc. Donc maintenant, ça va de nouveau être le tour à Edwin Wecken à attaquer. Et ce sera à un tour de l'arrivée, donc ça peut être vraiment décisif maintenant. Alors que faire? Attendre, temporiser, ça risque, on risque de permettre au coureur tchèque de récupérer un peu. Oui. Mais je crois que peut-être le coureur tchèque aussi, il va être content quand ça va tomber. Mais il prend tout de suite la tête, je vois. Donc lui-même, il n'attend pas. Il est quand même très fort. Il est très très fort. Il a résisté aux deux attaques. Ou bien il prend la tête maintenant, peut-être pour temporiser aussi. C'est possible, parfois on fait ça, on va rouler en tête et on va diminuer le rythme. Comme ça on peut mieux récupérer. Quand le rythme de l'homme en tête est trop haut, on se met en tête et on ralentit un petit peu. Mais à voir... La course de Clerc et de Verbeken derrière, je ne suis pas persuadé que de là, ce que tente de temporiser un faux rythme. Peter Dlask. Tous les espoirs de la République tchèque reposent sur ses épaules, alors que nous, nos espoirs sont sur les épaules, ils sont partagés, ils sont sur les épaules de Mario de Clerc et d'Erwin Verbeken. La Belgique, on voit là au bout. Sven Nys, donc oui. Pour lui c'est définitivement fini. J'attends encore une attaque de Erwin Verbeken maintenant. Ah, si Dlask a toute sa jeunesse pour lui, du côté belge on a de l'expérience avec oui. De Clercq avec Verbeken. Et attention, on a dit en cyclocross, tout peut aller très vite, tout peut basculer. Il prend le virage très bien ici. Et Mario de Clerc laisse un petit trou. Ici en côte, quand on a la force, on peut faire la différence. Et il fait quand même une attaque. Et je crois que c'est Erwin Verbeken qui va derrière. Qui doit aller derrière. Et il a vu. Dlask a vu qu'il a un petit trou, mais c'est quand même de Clerc qui va revenir. Voilà, Van Noppen est 9e. Grunendal 11e. Simunek 15e. Il reste un tour encore, mais il ne faut pas lui laisser prendre trop de distance à Peter Dlask. Non. Mais je crois que De Clercq est en train de prendre des risques pour revenir dans la descente. Et on voit ici. Il a un petit trou, il a quand même un petit trou. Ouh, ça devient dur, ça devient dur. Alors là, est-ce que Peter Dlask va piéger l'équipe belge? Apparemment, c'est ce qui se passe pour le moment. Ce n'est pas encore un grand trou, mais peut-être quand ils vont s'entendre sur la route maintenant, à la ligne d'arrivée, ils vont pouvoir refermer le trou, parce que sur la route, ils ont beaucoup d'avantages quand ils peuvent rouler en tête, mais quand même, il y a un petit trou. Yves Wecken qui ne reprend pas encore la tête de Mario de Clercq, ça veut dire que lui aussi, il a commencé à avoir dur. Wecken qui a dû combler... Enfin, Wecken et de Clercq, rappelons-nous quand même qu'ils ont dû combler chacun à leur tour durant cette épreuve un trou. Wecken parce qu'il est tombé, de Clercq parce qu'il a mal démarré. Bon, il y a 3-4 secondes, c'est pas grand-chose. Wecken, il prend la tête de la poursuite. Et de là, c'est naturellement qu'il ne va pas attendre. S'il veut aller être champion du monde, les Belges doivent se faire mal. Wecken qui relance. Wecken revient en sprint, je crois. Ça peut naturellement faire mal. C'est un tout petit trou, mais ça peut être assez. Je crois que Wecken revient. Avec De Clercq dans sa roue. Oui. Attention, c'est le dernier tour. On a entendu la cloche. C'est quand même un peu plus de 10 mètres entre les deux.
Alors est-ce qu'on va encore devoir cette année se contenter de la médaille d'argent et de la médaille de bronze? Tout dépend de Verbeke et de Declercq. Ils sont tout prêts. Mais Dlask qui a pris la tête des opérations, qui a un peu bluffé tout le monde, qui a accéléré. Je crois que Verbeke va revenir. 4 secondes, Neyss à 32 secondes. On a 3 Belges dans les 4 premiers, mais on n'a pas pour le moment la meilleure position. Voilà, Verbeke, on le voit. Ce n'est pas loin, mais ils ne sont pas encore dans la rue. Maintenant, naturellement, tout le monde va prendre des risques. Dask va prendre des risques dans le virage pour rester en tête. Et Verbeke et Declercq, ils vont prendre des risques pour revenir. Et Verbeke revient quand même. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Et Declercq est dans la roue. Il y a quelques mètres, on va voir. C'est intéressant de passer par un plan large pour avoir une idée de l'avance du Tchèque ou du retard des Belges. Voilà. Ils sont dans la roue. Il y a un peu moins de 5 mètres. Voilà. Verbeke qui a fait énormément. Et Verbeke qui va peut-être. Je croyais qu'il allait attaquer tout de suite. Et voilà. Pour le moral des Belges, c'est tout bon. Pour le moral du Tchèque, s'il a puisé dans ses dernières ressources pour creuser un écart, ça peut faire des dégâts. Est-ce qu'il va être encore capable de placer une deuxième accélération? Ils sont dans la roue. Oui. Pas encore collé dans la roue. Ils sont pas encore collés dans la roue. Il reste quand même quelques mètres. Verbeke, Declercq. Oui, quand même. Je crois qu'il a pris plus d'avantages. Je crois que ils vont devoir rouler quand même et rester collés dans la roue parce que il ne ralentit pas. Non, on pensait qu'ils étaient revenus, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a quelques mètres encore, et si on va comme ça à l'arrivée, il n'y aura pas de surprise. Le Tchèque sera champion du monde. 24 ans, Peter Dlask est en tête. Il roule vers son premier titre de champion du monde. Derrière, une poignée de mètres. 5 mètres, Verbeke et Declercq. C'est vraiment pas loin. Mais quand ils vont arriver au dernier virage comme ça, c'est de trop. Alors, il y aura une 6e médaille pour la République tchèque. Sera-t-elle en or ou sera-t-elle en argent ou en bronze? On le saura d'ici. Descente dangereuse. Ça fait à peu près un tour qu'il est en tête. Il est dans la roue. Oui, il est dans la roue. C'est maintenant Mario Declercq qui a laissé un petit trou. Mais Verbeke est revenu dans la roue. Il faudra encore repasser devant. Il est bien revenu vers Verbeke. C'est à Mario Declercq de revenir maintenant parce qu'il a quand même 5 mètres. Et à quelques centaines de mètres de l'arrivée, ça peut être beaucoup. Ah, c'est l'indécision. Ah, c'est le flou total quant à l'issue de ce championnat du monde. Lask qui est toujours en tête. Il cède des barrières, avec un lui, pas du tout, les deux Belges. Là, il prend le virage quand même un petit peu plus vite. Et maintenant, il y a un morceau très dur, en côte. Et c'est là qu'on peut de nouveau faire la différence. C'est là que Lask est parti le tour avant. Donc on va voir ce qu'il va faire maintenant. Est-ce que Verbeke va rester dans la roue? Oui, Verbeke reste dans la roue. Lask ne sait plus attaquer comme le tour avant. Verbeke va en tête. Verbeke qui va au coude à coude, hein. Au coude à coude dans la boue, un sprint en côte pour prendre la tête. Et Declercq qui revient. Declercq qui revient aussi, mais pas encore dépassé, mais peut-être. Voilà, Dlask qui a joué son va-tout peut-être un peu trop tôt. Deux Belges. Alors si on joue la carte de l'équipe, Verbeke part et Declercq temporise. Je crois que Verbeke va devenir champion du monde. Ah, on l'espère, on lui souhaite à Erwin Verbeke, c'est le dernier. Et Declercq fait une erreur, oui, Verbeke est champion du monde, c'est fini. Ah, attention, on n'est pas encore au bout. Dlask est toujours là. Oui, Verbeke gagne la course. Ah, il a 3-4 mètres, ce n'est plus possible. Dernière ligne droite, attention. Il va maintenant quitter les labourés pour revenir sur l'asphalte. Verbeke qui file vers un titre de champion du monde. Attention, Peter Dlask est derrière.
Tout est possible. Hein. C'était un très bon jeu d'équipe, je crois, de Mario De Clercq, qui a fait l'erreur sur les escaliers et de là, ce qu'il a perdu un tout petit peu, mais c'est... Oui. Le premier qui sort du virage, c'est celui qui... Attention, c'est Verbeken qui gagne. Verbeken est champion du monde. C'est mérité pour Erwin Verbeken. Ouais. Ah, et bien joué de la part de Mario De Clercq, ouais, qui lui a un peu rendu le titre qu'il avait perdu à Poprad. Troisième, Mario De Clercq. Ça, c'est un japonais, ça. Oui, oui, oui. Mais le troisième, je vous assure, est Mario De Clercq. La Belgique, première et... troisième. C'était très bien fait de Mario De Clercq sur les escaliers. On a vu aussi que juste avant les escaliers, il est revenu en deuxième position. Et puis il fait la petite erreur sur les escaliers. Ce qui donne à Erwin 5 mètres d'avance. C'est parfait. Mais on a quand même un petit peu hésité. On a quand même eu un peu peur dans l'avant-dernier tour quand Lask est parti seul en tête. Hein. Naturellement, parce que dans le dernier tour, on voyait déjà toute la course que Lask était très fort et il prend quasiment 50 mètres dans le dernier tour, je crois. Donc, c'était tout juste. Hein. Tout juste, mais suffisant. Un Belge à nouveau champion du monde après Mario De Clercq en 99 et déjà en 98. On a Erwin Verbeken. On va encore entendre la bande-son, la deuxième médaille d'or pour la Belgique, ouais, à Tabor après celle de Sven Van Tournout. Et lui, quand il va passer pro, On n'a pas de soucis à se faire pour l'avenir. Il restera encore Neyss, il restera encore Wellens. Van Tournout va arriver. Tom Van Der Poem a fait un bon championnat du monde aussi. Je crois que la Belgique est bien placée encore pour le futur dans le cyclocross, certainement pour les années qui viennent. On n'a pas encore de... pas trop de soucis à se faire, contrairement aux Pays-Bas qui ont, derrière Richard Groenendaal, c'est un peu le vide. Oui. On a ici Gerben de Knecht. Maintenant, on va l'erreur que Mario fait. Il s'accroche un petit peu. C'est Lask qui veut dépasser. Il s'accroche un petit peu avec Mario De Clercq. Et c'est comme ça que Verbeken il gagne les 5 mètres qu'il a besoin pour gagner la course. Bien vu, Philippe. Et c'est évident. Il est lancé dans ces escaliers, Mario De Clercq, et puis il est un peu ralenti, il s'accroche avec Lask. Ouais. On attend impatiemment le podium qui ne devrait pas tarder et revoir Erwin Verbeken, et je suis certain qu'Arsène Van Aren est fou de joie. Ah, ça c'est certain, aussi Verbeken même, je crois qu'il a fait déjà deux fois un podium sur le championnat du monde, une fois troisième, une fois deuxième je crois. Et il mérite vraiment de devenir champion du monde. Il était déjà là, Verbeken, rappelez-vous, à Coxide, quand Eregers avait été champion du monde. Et puis, évidemment, on l'a rappelé à Poprad, derrière De Clercq. Voilà, Neyss est quatrième à 1,07. Il a connu des petits problèmes mécaniques, sans doute, puisqu'il a perdu en 100 mètres une quinzaine de secondes. Et puis après, c'était trop tard. Il a terminé en roue libre. Pospisil, 5e, Henrik Djernis, 6e, Gerben De Knecht et Camille Van Berg, 7e et 8e. On ne voit plus Bart Wellens, qui était Wellens, ni... tout le temps juste derrière Sven Neyss. Je ne sais pas où il est resté. On va sans doute voir la suite du classement. Van Der Poem, 9e, et pas de Wellens. Il a dû avoir un problème mécanique dans le dernier tour. Tom Van Hoffen qui finit quand même très bien sur la 9e place. Il fait un champion du monde extraordinaire. Trois Belges dans les 4 premiers, mais pour le classement inter-équipe, il n'y a pas de souci à se faire. Non. La Belgique remporte une nouvelle fois le championnat du monde par équipe, mais et on ne boudera pas notre plaisir, on le répète. Les Belges sont champions du monde grâce à Erwin Verbeken et en plus on a la médaille de bronze comme petit surplus, comme cerise sur le gâteau grâce à Mario De Clercq, le champion de Belgique. Et c'est évidemment un beau dénouement pour Erwin Verbeken. On revoit cette image au ralenti, champion du monde, il courait derrière ce titre depuis des années, un homme de championnat, plusieurs fois champion de Belgique tant en cyclocross qu'en VTT. Il mérite vraiment, naturellement c'est dommage aussi pour Peter Lask qui fait lui-même une course vraiment magnifique. Il a quasiment contrôlé toute la course et il doit
il est soumis à au jeu de la course de Belge. Erwin Verwecken, ça doit être difficile pour lui. Belgique, et on a tous envie de dire enfin, Erwin, vous êtes champion du monde après deuxième place. Oui, j'ai eu beaucoup de malchance dans les derniers championnats du monde. J'étais toujours bien, mais deux fois deuxième, une fois troisième. Et maintenant, finalement, j'ai gagné pour la première fois championnat du monde. C'était une course très dure aujourd'hui. La Belgique avait trois coureurs en tête, mais vous aviez un adversaire très fort, Peter Dlask, que vous avez dépassé seulement dans le dernier morceau du circuit. Donc c'était vraiment une course difficile à gagner. Oui, j'avais compris déjà dans le début que c'était pas au début que la course se jouait. Donc j'ai attendu jusqu'au dernier tour. Et Mario était avec moi, mais je pensais qu'il était un peu fatigué à la fin. Et j'ai dû fermer le trou moi-même. Et à la fin, c'était à l'escalier, il fallait être premier et je suis réussi. Erwin, la pluie a changé beaucoup sur ce parcours par rapport par exemple à ce matin où il y avait la neige. Oui, il glissait beaucoup mais pendant toutes les quatre couches je pense. Aujourd'hui c'était très froid, la main gelée, c'était très difficile pour changer la vitesse. Mais quand on gagne, ça fait rien. Et combien ça a changé aussi la chute de Groenendaal? À un certain moment, l'Hollandais, il est disparu de la course. Ah, j'ai pas vu. Moi, je suis tombé aussi après 4 ou 5 tours. Et j'ai dû revenir. Et oui, je comprenais que c'était très difficile de gagner. Et fallait rester devant. Donc, mais je suis très content. Merci et félicitations encore à Erwin Verwecken, champion du monde cyclocross. Vous venez d'entendre l'interview à chaud de notre champion du monde, interrogé par le responsable presse de l'UCI, je pense. Je crois, oui. Karsani. Eh bien, il est heureux, même si on le voyait peut-être pas énormément sur son visage. Il a eu le temps de se nettoyer, en tout cas par rapport à cette image. Mais je suis certain qu'au fond de lui, Erwin Verwecken est fou de joie. Parce qu'un titre de champion du monde, et il l'a dit, il a échoué trois fois sur le podium, c'est vraiment la juste récompense. Vous l'aviez vu presque à la mi-course déjà en disant que c'était l'année d'Erwin Verwecken et qu'il était aussi un des grands favoris, qu'il était en forme pour le moment. Oui, bah il a fait une très bonne saison cette année. Et on voyait aussi aujourd'hui qu'il roulait facile quand même. Et puis à la fin il a dit aussi qu'il devait être maintenant au dernier tour ici, il devait être le premier au escalier et c'est vraiment là aussi que la décision s'est faite. C'est un peu la victoire de l'expérience de Verwecken face à la jeunesse et la fougue de Peter Dlask. On signera que Verwecken avait chuté jeudi à l'entraînement, il ressentait quelques douleurs à son genou, et bien il l'a prouvé, tout est terminé, tout est oublié à ce niveau-là, et il avait été grippé il y a 15 jours à Pontchâteau, il n'a pas pu faire la course qu'il désirait, mais tout était rentré dans l'ordre, et c'est merveilleux pour la Belgique, un nouveau titre de champion du monde, un de plus, le 18e, et il succède au palmarès des Belges à De Vlaeminck, à Albert Van Damme, à Roland Liboton, Danny Deby, Paul Herregers et Mario De Clercq, c'est chez les élites, que du beau monde, et je pense que j'ai oublié Roger De Vlaeminck. Qui était vainqueur champion du monde, Roger De Vlaeminck aussi. Et on voit la boue en surface. On ne devrait pas tarder maintenant à se rendre et à prendre la direction du podium pour assister à la remise du maillot et de la médaille. Un moment intense chez un sportif. Hein. Oh, ça c'est des émotions qu'on ne peut pas décrire quand on est sur un podium, surtout quand on joue la Brabanson. Et on est sur la première marche, c'est incroyable. La petite marionnette verte et jaune et bleue ici, je pense que c'est ça, le c'est même maillot que le sponsor de Verwecken. Oui, ça c'est l'équipier de Verwecken, je crois. Bon, on voit quand même, je crois qu'il y a beaucoup de Belges qui sont là. Il y en aura encore plus. Je crois que ça va être la grande fête chez Erwin Verwecken parce que après, comme il l'a dit, il a eu deux fois une médaille d'argent. Ça doit être de vraiment de très bonnes sensations, émotions maintenant
qu'il a dans tout son corps, dans toute sa tête. C'est magnifique. Van Veeken devant Dlask et Mario De Klerk, le podium des championnats du monde 2001. C'est à nouveau une médaille de bronze pour Mario De Klerk, mais elle a une saveur tout à fait différente que celle de l'année dernière. Oui. Mark Gunningson, c'est un Américain. Un ancien vététiste aussi. Oui, il fait 13e, c'est pas mal. Hein? On rappellera que... Oh, Grunendal, on voit, il est 24e à 4 minutes. Il a vraiment dû se forcer au début pour rester devant et puis en une fois il était parti. On voyait qu'il était à la fin de ses forces. Il y a eu plus qu'une chute, ou en tout cas pas simplement une chute technique, mais peut-être aussi une chute de fatigue pour Grunendal, parce que ne pas revenir et perdre autant de temps. Ouais. On entend les trompettes, le voilà. De Klerk qui emmène Van Veeken au podium. Voilà, Erwin Van Veeken, le grand Erwin, et puis le grand Peter Dlask. C'est peut-être aussi un paradoxe sur un circuit aussi glissant, aussi technique, de voir un circuit où il faut être en équilibre en permanence, de voir les deux premiers virer plus d'un mètre 80, plus d'un mètre 85, je pense. Naturellement, ces deux coureurs-là, ils ont aussi l'expérience de rouler sur tous les parcours différents. Et certainement, le Tchèque, il est jeune, même s'il n'a pas l'expérience de faire. La même expérience de Veeken ou de Klerk. Il a l'expérience de rouler en Tchéquie où le temps est souvent comme ça. Donc, on voit qu'il ne faut pas être petit pour avoir la technique. Il a froid, hein, Van Veeken. Oui. Il fait, on rappelle, 3 degrés. Ouais. Ça, c'est un beau moment. Voilà, s'il n'y croyait plus, s'il n'y croyait pas encore, eh bien maintenant c'est chose faite, il est sur la première marche. On va lui remettre sa médaille et son maillot. Il a vraiment très froid. Il n'aura pas beaucoup plus chaud avec le maillot, mais à l'intérieur ça, voilà. Pendant un an, il va pouvoir rouler avec ce maillot. Et Van Veeken qui devrait rejoindre Bart Wellens l'année prochaine, ouais, par Select. Je crois, oui. Ah, il est peut-être pas... Mais souvent, quand on a une victoire comme ça, on ne se réalise pas au moment même ce qu'on a fait, mais ça va venir ce soir ou demain, et même plus tard aussi. Mais souvent, juste après la course, on ne se réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être que maintenant, il a plus foi que quelque chose d'autre. Peter Dlask. Merveilleuse couche de Peter Dlask, c'est vraiment... regardez comment ils ont foi. Frigorifié aussi, Marie Leclerc. Accélérer un peu le protocole. Oui. C'est bien qu'ils l'ont fait quand même vite après la course. Parce que sinon, on ne peut plus se réchauffer. C'est bien possible que toute la soirée maintenant, ils vont avoir froid. Le corps ne se remet pas vraiment comme il faut. Je crois qu'ils vont rester dans la douche pendant une demi-heure. J'espère qu'ils vont avoir de l'eau chaude parce que... Je leur souffle quand même. On va attendre la Brabanson avant de se quitter, bien évidemment. Le drapeau belge qui flotte bien haut et c'est normal. Deux Belges sur le podium, mais contrairement à la dernière, on a repris cette première place grâce à Erwin Van Veeken. Oui, ça, je pense qu'on va pouvoir les recouvrir de couvertures et de vestes en tout genre juste après le podium. Il tremble, il y a d'émotion sans doute, mais il y a le froid surtout. Je crois que c'est surtout le froid. Maintenant, je crois qu'il va avoir un petit peu plus chaud.
Bakken qui remporte le championnat du monde de cyclocross 2001. C'est sur cette image avec Glask et De Clercq sur le podium que je vous propose de se quitter. Philippe, merci d'être venu commenter ce championnat du monde. On vous reprendra encore, vous portez chance aux Belges. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera, qu'on pourra commenter votre course avec la même issue sur la première marche du podium pour un championnat du monde. Ce sera en VTT pour vous. J'espère aussi, merci. Voilà. C'est le plus beau maillot qui existe naturellement. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Excellent dimanche. Et puis, le prochain rendez-vous cycliste, je pense, sera pour le circuit Hautvolk le samedi 3 mars. À noter dans vos agendas. On se quitte sur cette image. Verwecken, champion du monde. Merci. Au revoir.